week-end, c'était un vrai combat de gladiateurs pour essayer de glaner un point, quatre points, un point. Et voilà, on savait que jusqu'à la fin, tout compterait. Que ça soit sur le terrain, en dehors, que ça soit pour les qualifications pour les phases finales, que ça soit pour le maintien. Voilà, on a vu que ça a été une lutte acharnée jusqu'au bout. Il n'y a eu aucun match facile, ça a été une saison longue. C'est un combat permanent. Beaucoup de beauté dans le jeu. Tout peut basculer en quelques journées, en quelques défaillances d'une équipe. Chacun a su montrer les dents à domicile pour ressortir vainqueur. Et finalement, c'est une saison qui a été très indécise jusqu'au bout. Des joueurs qui viennent de partout dans le monde, les meilleurs du monde qui viennent ici pour jouer, je trouve que c'est, pour le combat, je trouve que c'est magnifique. Les gardes tranchés à chaque partie. Les vertus de ce sport, c'est le combat, c'est la solidarité, l'envie de faire des choses ensemble. Et si on perd ça, on perd l'essence de notre rugby, on perd tout, quoi. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais il y a sûrement quelque chose qui fait que ça ne porte quasiment que de bonheur. Genre les pelouses, les tribunes, toujours gavées de monde. C'est toujours plus facile d'aller aux batailles quand tu sens que tu es très nombreux. Je joue avec beaucoup de joueurs, plein de talents, avec des qualités, mais lui, il a quelque chose de spécial, c'est un phénomène. Taliboula a mis des essais d'une autre planète. Savoir aussi que c'est un gros paquet d'avant, un paquet d'avant de gladiateurs qui travaillent dur tout le match. Il y a 15 mecs capables de jouer au ballon, donc c'est vraiment un jeu collectif et ça nous va très bien. On a fait un bon début de saison, on a travaillé aussi avec un groupe qui était quasiment à l'identique de l'an dernier, donc ça nous a permis d'avoir déjà des automatismes au début de saison et marquer le territoire. On est tombé sur une très belle équipe de Brive qui avait tout à gagner, rien à perdre. Et d'ailleurs, ils nous ont fait mal, ils nous ont fait très mal. Brive, à domicile, a été très coriace et a montré tout au fil de la saison que ça allait être très difficile de venir emporter chez elle. On a perdu à Brive. Je vais peut-être pleurer un peu dans les vestiaires, mais faut dire à personne. Petit, c'est des matchs que tu rêves de jouer, donc je me doute bien que nous on était à 120% et eux à 70%. La différence a fait que voilà, ils se retrouvaient à 8 heures au bout, les mecs venir jouer en plein hiver au stadium avec 25 cm de boue alors qu'ils jouent, ils ont joué des Coupes du Monde, ils ont joué, c'est pas les matchs les plus motivants de leur carrière. Brive aussi, ils ont rien lâché, ils ont joué un très très beau jeu. Ça a été le match le plus difficile de la saison, je pense. Ça a été un match un peu horrible pour nous, heureusement qu'il y a eu la victoire. Justement, ces vertus de solidarité et toute cette amitié qu'on a les uns envers les autres ressortent sur ce match. Clermont-Brive, c'est particulier.
quand on voit de la façon que ça, le ressenti de ce match qui est autour des tribunes et tout ça, ça a été une grosse fierté pour nous, quoi. Ça a été une saison de gladiateur parce qu'on allait chercher des résultats là où personne vraiment imaginé. Je pense notamment à cette victoire à Toulon qui restera dans les mémoires des garçons pendant plein d'années. Grenoble. C'est une équipe beaucoup de passion. Et puis Mayol, c'est le temple du rugby, quoi, le temple de la guerre aussi. C'est un endroit où tous les joueurs ont envie de jouer, c'est des moments inoubliables. Et puis quand tu gagnes à Mayol. Partage terminé. Moi je veux gagner tous les matchs. Et de perdre des matchs, surtout à la maison, moi, franchement, ça me dégoûte. Je pense que quand on se retrouve dans 10 ans, on en parlera encore, parce que la mémoire, c'est un truc... Encore une fois, c'est difficile de l'expliquer, mais c'est ancré au plus profond de nous-mêmes. C'est une belle arène où on a vraiment envie de tout donner. Et on a envie de se vider comme des gladiateurs dans cette arène. Je pense qu'on s'est tous dit ensemble qu'on avait marre de galérer, que ça faisait assez longtemps. Il fallait qu'on en chie tous ensemble. Bon, malheureusement, il s'avère qu'on n'est pas dans les 6, mais on n'y était pas loin. Et voilà, au moins, on a eu de l'espoir cette saison. Il y a des jeunes qui font leurs matchs, qui deviennent internationaux. Donc voilà, ils sont là, ils sont importants. Les anciens sont là, les jeunes poussent. Donc il y a un très bel ensemble qui fait que ça marche bien. Le combat perdu contre le Racing, pour nous, a été très difficile. Ça, c'est ce qui a fait qu'on est sorti des 6 et c'est la grosse déception de cette année. Gâcher peut-être 6 mois de travail en un match. Un gladiateur, c'est tout simplement un guerrier. Il faut savoir serrer les dents, il faut savoir par moments jouer blessé et donner son corps à la science. C'est Jean-Baptiste Poux, avec son bandeau là, je pense qu'il fait peur à beaucoup de monde. C'est quelqu'un qui est capable de tout donner et qui est capable de se sacrifier pour les copains. Le Canadien de Clermont-Ferrand peut avoir la place de numéro 1 dans ce registre-là. Jamie, je pense que c'est l'expression du gladiateur né. C'est quelqu'un qui est prêt à aller au bout des choses, au bout de son engagement, au bout de ses ambitions pour réussir à vaincre. Hermitage, pour le travail qu'il fait en défense et dans les rucks. En nous, mais là, il représente aussi l'âme et ce côté combatif qu'il y a dans cette équipe de Brive. Le gladiateur idéal serait Brice Mac, le talonneur de Castres. Je crois qu'il représente vraiment toute la robustesse d'un joueur de rugby.
Je dirais que c'est une saison qui a démarré doucement, sous le feu des critiques. Ce match au Racing, surtout avec le recrutement qu'ils ont fait, c'est des mecs qu'on regarde à la télé depuis 5-6 ans qui font des matchs internationaux pour se retrouver à les jouer et puis par miracle on arrive à gagner. Plus de la moitié de l'effectif avait été renouvelé, de nouveaux entraîneurs, une nouvelle façon de fonctionner. On a pris le temps pour que la sauce prenne, mais ensuite, je crois qu'ensuite le résultat était pas trop mal. Dans la saison, je crois qu'il a commencé à y avoir des matchs aboutis. Quelques semaines après, on reçoit l'équipe de Castres, championne de France, et je crois qu'on fait une très belle prestation ce jour-là. De ce moment-là, on a vraiment pris conscience de ce qu'on était capable de faire. Je pense que le championnat de France, la saison qui suit est très compliquée, dans le sens où tout le monde l'attend, tout le monde le veut, tout le monde veut sa tête sur un plateau doré, donc il faut avoir un groupe solide, il faut se resserrer. Cette année, on n'a pas à se plaindre. Surtout les autres équipes qui nous ont assimilés à ce titre, bon, c'est ce qu'on recherchait, donc c'est pas. Mais nous, intrinsèquement, on n'a pas cherché à se faire valoir, on a continué à travailler dans l'ombre au maximum et essayer de donner les meilleurs matchs possibles quoi, en travaillant le plus possible. Le fait qu'il y ait de nouveaux entraîneurs, ça a tout remis en place dans le sens où ils arrivent avec un nouveau projet, une nouvelle façon de jouer, une nouvelle façon de penser. Donc ça nous a permis de nous remettre plus rapidement dans le bain, ouais, complètement. Un moment fort dans le sens où c'était pas un match fantastique, mais ça a été un match sérieux où on a mis une stratégie en place qu'on a tous tenu et on s'est rendu compte qu'on était capable de gagner, voilà, sur un coup de chapeau. C'est un match qui nous fait mal parce que bon voilà, à la maison c'est toujours difficile de lâcher les points comme ça quoi. Elle se fait bien parce que les mecs, c'est des bons mecs. Notre groupe, je crois qu'il est sain, il vit bien. Le premier match de championnat, il fait plusieurs exploits personnels qui font basculer les matchs, et notamment face à Clermont. Match comme ça où tu sais pas pourquoi tu marches sur l'eau, et je crois que ce match-là il en fait partie aussi.
domine dans l'agressivité et dans l'efficacité. On sent une équipe euphorique, en pleine confiance, contre une équipe prise dans l'engagement et en doute. Ça fait 20 ans que Toulouse, ils sont au plus haut de l'affiche au niveau français et européen. Donc c'est vrai qu'aller gagner là-bas, c'est une belle chose. Je ne sais pas si c'est mérité, pas mérité. Voilà, ce match, en tout cas, nous fait vraiment du bien pour la suite. Quoi. Une belle saison qui est belle aussi parce qu'elle n'est pas linéaire. Dès que je sors du bus, c'est prêt. Moi, je suis prêt de mettre mes chaussettes, les shorts, maillot et rentrer directement sur le terrain. Ça te donne des pouvoirs que tu n'avais pas avant. Ça n'a pas très très bien commencé, mais nous on savait que ça allait être dur, peut-être dans notre tête. On était encore au final de Coupe d'Europe et au Como, il y a des matchs qu'on a fait, c'était catastrophique. Retrouver le niveau de l'année dernière, ça a été dur. Mais à force d'avoir Bernard à la porte, nous gueuler dessus dans les vestiaires, à l'entraînement, on a tous décidé, voilà, c'est bon, stop. Maintenant, il faut commencer à gagner des matchs. Aussi, c'est magnifique parce que tu as tous ces joueurs, tu peux apprendre des choses. J'ai appris plein de choses de Giovenica, Chris Massoué, Juan Lobé, Danny Rousseau. Pas que les avant, tu as les trois quarts, tu as Matt Ghetto, Johnny Wilkinson, même Mathieu Bastaro. Tu as beaucoup de noms pour dire que tu apprends des choses nouvelles tous les jours. Gladiator, c'est Bakis Bouta, c'est un guerrier. Moi, je préfère d'être loin de Bakis parce que des fois, quand je vois arriver dans les rocks, même moi, j'ai peur. Pas voir lui arriver en planche pour te couper en deux parce que là, ça va faire mal. Bakis Bouta qui fait partie de ces guerriers en deuxième ligne. Il est bien chambré, on peut faire dégoupiller les mecs et essayer de contrôler lui après la situation, comme ça il fait sortir les mecs du match. Bakis, quand il fait des câlins aux adversaires, je pense que c'est une façon de montrer que voilà, c'est lui le maître. On s'était dit en début de saison qu'on était un commando à l'assaut du top 14. On a vu une très belle équipe d'Oyonnax avec de très beaux gladiateurs. Ah, j'étais bien content de voir Oyana jouer bien toute l'année. Il y a forcément ce match contre Clermont, parce que c'est notre première victoire en top 14 face à un très très gros club. Les mecs sont revenus encore une fois en se disant là franchement Oyo ça va être du très très costaud cette année.
Lyonnais m'a impressionné parce que je pensais qu'ils allaient s'essouffler en fin de saison. On s'est dit mais c'est pas possible après tout ça quoi, on peut pas descendre maintenant. Et les 20 dernières minutes, on était vraiment incroyables à vivre. On ne savait pas si on devait être content, si on devait pleurer. Ben on est sûr, je ne sais pas, 3 ou 4 minutes après que notre match soit fini, on est sur la pelouse, on entend c'est bon, d'un côté c'est pas bon. On ne sait même pas ce temps ici. Le journaliste qui avait le match en direct et qui nous confirme que ça y est, c'est terminé, qu'on est bien maintenu en top 14. On le mérite, et pour tout le peuple aussi qui avait derrière nous, c'est important qu'on ait réussi à le faire. Ça vient petit à petit dans la saison, c'est-à-dire qu'au début, bon, on fait un bon résultat, ensuite un ou deux mauvais, on flotte un petit peu. Et puis, il arrive dans la saison, on réalise, ben, ça y est, là on joue le maintien. On ne parle plus de Coupe d'Europe, on ne parle plus de qualification, on ne parle plus de ventre mou, on parle juste de sauver notre peau, quoi. Le derby, pour le coup, il a l'importance locale, puisqu'on sait que Biarritz est condamné, et que nous, si on ne gagne pas, on peut l'être aussi. Donc vraiment, c'est la survie du club basque en top 14. Il y a un mort, et il y en aura peut-être deux. Fini, mais au moins on n'est pas mort quoi. Et pour le coup, le côté fête du rugby perdait un peu de joie, de valeur parce que c'était le maintien quoi. Que c'est tout ce qui comptait, c'était 4 points. Tant pis pour le match de gala, tant pis pour la fête qu'il pouvait y avoir. C'était, il fallait gagner et il n'y avait rien d'autre qui comptait quoi. On voulait, on se devait de finir par une victoire à Jean Daugé, que ce soit contre le champion de France en titre ou autre quoi. Voilà, c'est fini quoi. C'est sûr, c'est acquis, c'est fait, on est sauvé, c'est fini. Plus qu'une grande joie, un gros soulagement. Le plus beau geste pour un gladiateur, c'est de se blesser et de se relever et de continuer à jouer avec ses copains. Un plaquage offensif. Un beau plaquage. C'est vraiment le plaquage où tu stoppes ton adversaire net. Une grosse charge. Bon porté à 8 ou même en mêlée parce que là tu vois vraiment l'esprit d'équipe mais aussi l'esprit des gladiateurs. Bon, le balayage, les déblayages. Voilà, se donner un ballon propre à son demi-mêlée, c'est un geste ingrat mais c'est un vrai geste de gladiateur.
combat pour le maintien, c'est le combat le plus dur parce que chaque week-end, tu te dis que tu joues un match qui va être important pour la suite, que certainement, si tu le perds, eh bien, tu joues le maintien de ton équipe. Et forcément, ça met une grosse pression sur les épaules et c'est une pression qui est négative à vivre tous les jours. On a enchaîné une spirale négative, notamment des matchs à domicile où on en est même arrivé à un point cette année où on préférait jouer à l'extérieur qu'à la maison parce que ça nous mettait une pression moins sur le terrain. Lâchez pas cœur ! Ah ben, on est surtout devenu l'équipe à battre, ou en tout cas à battre. Affaibli, on a mis un genou au sol et puis la main et puis voilà, et puis aujourd'hui eh bien, c'est la descente en Pro D2. Dimitri, ça serait plutôt celui à l'époque des Romains, voilà, l'homme qui entraîne les gladiateurs, qui avait son fouet et qui donne un peu les consignes, mais il n'y va pas dans l'arène. Le rugby c'est un sport, on est professionnel, mais c'est avant tout une aventure humaine et donc on crée des liens très très forts entre nous. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Et donc voilà, ça, c'est dur de le voir quitter les terrains. Le premier, c'est des larmes et des regards dans le vide. Ce qui m'a le plus marqué, c'est voilà, de voir des gamins pleurer, de la famille pleurer. Pour moi, ça a été le moment le plus dur à accepter, c'est que voilà, de voir que tous ces gens-là qui venaient nous soutenir étaient déçus et de les voir pleurer, ça m'a vraiment le plus choqué. C'est du gâchis parce que je pense qu'on a des joueurs et beaucoup, on aurait pu avoir beaucoup d'avenir dans ce top 14. J'ai compris où c'était plus pareil, c'est quand voilà, on a commencé à laisser des matchs à domicile. Et c'est vrai qu'à partir de là, je me suis posé un peu des questions. Responsable, les joueurs aussi. Moi, c'est pas ces derniers matchs. Je pense qu'on aurait pu le sauver, on aurait pu faire l'exploit ce dernier match pour pouvoir voilà, dire bon, on l'a fait, on s'est sauvé. C'était l'entonnoir, on n'avait pas d'issue. Ça restera comme une saison ouais, où il a fallu combattre sur chaque journée, de ne rien lâcher. Et on est tombé face à de belles équipes. Et en premier lieu à Bordeaux, dès la première journée, où on aurait pu espérer mieux. Et ensuite, on a perdu d'autres matchs aussi à l'extérieur qui nous ont fait du mal
au moral. Malheureusement ou heureusement, en sport, tout ce qui est derrière vous ne compte plus. Des défaites qui nous ont fait mal. C'est à nous aussi d'être beaucoup plus rigoureux et d'être beaucoup plus intransigeants au vu de nos performances sur le terrain. À mon avis, le mot, ça serait peut-être la rigueur, d'être beaucoup plus rigoureux et d'être déterminé à chaque match. On a été déçus l'année dernière par le fait qu'on n'a pas réussi à décrocher un titre et je pense qu'on a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Donc déjà la première bagarre, ça a été dans la tête, ça a été de se remettre la tête à l'endroit. D'entrée de jeu dans la difficulté et d'entrée de jeu, on a su se mettre devant nos responsabilités. Ça m'avait énormément plu que Brock prenne les responsabilités de prendre les trois points parce que c'est typiquement le genre de truc où on aurait dit on n'a pas appris quoi. Notre but au bout d'un moment c'est de scorer, c'est d'être efficace, c'est d'être, d'avoir un instinct du killer. Franchement moi je l'ai pris comme une victoire. J'avoue que ce match-là, franchement, on l'avait préparé en plus archi sérieusement. On était vraiment à aller là-bas avec beaucoup d'ambition. Voilà, c'est des moments durs, mais on essaie de trouver le positif dans tous ces moments très très durs. Il n'y a pas d'animosité particulière entre les joueurs, il y a simplement deux grands champions, deux grandes équipes qui ont envie de tout donner dans la bagarre à chaque fois qu'ils se rencontrent. C'est pas parfait, c'est loin d'être parfait, on doit encore beaucoup bosser. Mais dans ces moments clés, dans ces moments durs, eh bien on apprend encore plus sur les uns, sur les autres et peut-être sur le leadership dans cette équipe. Donc c'est mine de rien, il y a quand même beaucoup d'enseignements à tirer.
les phases finales, c'est la partie la plus excitante de la saison. Et c'est vrai que quand on porte ce maillot, on se doit de tout donner et de porter haut et fort les couleurs du Stade Toulousain. Si on voulait exister en phase finale, on savait qu'il fallait être présent dans nos têtes surtout. Finalement, avec le recul, on se rend compte que on avait rien à perdre. Chaque semaine, un nouvel défi, une nouvelle guerre. Pour moi, c'est une très grande équipe et voilà, avec une histoire de gladiateur. D'arriver là, je pense que voilà, ça montrait quelque chose. Là, ils sont incertains et on ne peut pas dire qu'il va y avoir une équipe qui est favorite. Vous restez. Non, vous restez.
reste des grands moments, surtout que personne, il n'y a pas beaucoup de personnes qui croient en nous. Pour nous, ça nous permet de montrer qu'on est encore là, quoi. L'objectif pour nous, c'est de créer quelque chose de spécial à tout le monde, d'avoir une histoire que personne ne va oublier. Et on veut montrer à tout le monde que même si on perd, on aura tout donné dans la bataille, quoi.